Marie-Anne Chapdelaine, vous êtes députée de Rennes, en Bretagne. Vous êtes aussi rapporteure d'un projet de loi qui viendra à l'Assemblée dans l'automne sur la protection des sources des journalistes. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans ce projet de loi ? C'est tout simplement de garantir l'exercice du journaliste, de garantir ce qu'on dit, la liberté d'expression, la liberté de l'information, et de permettre aux journalistes de pouvoir produire de l'information qui ne soit pas que de la communication, et donc là de protéger ses sources, c'est-à-dire qu'ils puissent dire à une personne « je vous garantis le secret parce que c'est ça qui va faire une information libre ». Il y avait déjà deux textes, hein. Il y avait eu un petit texte de Michel Vauzelle en 93, il y a eu ensuite le texte de 2010 sous la mandature de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ce texte va améliorer ? Bah écoutez, j'ai envie de vous renvoyer la balle, c'est un peu à vous, puisque moi je suis dans une phase d'audition, donc c'est la question que je pose un petit peu aux personnes qu'on auditionne. Ce texte-là vous semble-t-il une avancée par rapport à la liberté d'expression ? Rappelons-nous ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la liberté d'expression, le droit des journalistes, ce sont les chiens de garde de la démocratie. Donc je crois que, je pense que ce texte de loi va améliorer la protection des sources, donc va permettre aux journalistes de pouvoir asseoir leurs sources, leur information, et de produire une information libre. Quand on parle de sources, on parle y compris des personnes qui sont sources d'informations. Alors ça, c'est aussi la définition de la source. Donc, c'est des questions qui ont été soulevées lors de nos auditions. Donc, on va essayer d'y répondre.